transcription 2 de l'héros. J'ai commencé à militer au collège en fait contre la guerre en Irak, puis après contre le Front National hein, au lycée et puis après. Et je suis rentrée au parti de gauche en 2012 à la suite de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est tout naturellement que je me suis retrouvée avec les Insoumis. Mon objectif numéro un, ce sera de faire abroger la loi El Khomri, parce qu'elle est extrêmement dangereuse avec l'inversion de la hiérarchie des normes qui va placer les salariés dans une situation extrêmement isolée avec la mise en concurrence des uns contre les autres pour la survie et qui donne à l'employeur une toute puissance et qui est complètement à l'opposé de ce que nous on a dans le programme de l'Avenir en Commun, à savoir la sécurité sociale à 100% avec un droit effectif au logement, au travail et à la santé. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de rester mobilisé, déterminé. On a eu une petite déception de ne pas être au second tour, mais le score de Jean-Luc Mélenchon, dans les circonstances qu'on connaissait, était assez quand même exceptionnel. Et surtout, a remis au goût du jour et en force les valeurs humanistes et écologiques que nous défendons. Donc il faut aller voter, rester mobilisé et envoyer à l'Assemblée nationale des députés combatifs, déterminés, humains, et qui sont ancrés dans le réel et dans la vie quotidienne, qui comprennent vos problèmes. Alors, ma devise, ce serait une citation de Nelson Mandela qui dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs.